Alors, je suis accompagnée de Maxime Poulin. Maxime, qui est un ancien élève de la polyvalente de Disraeli. Raconte-nous donc ton parcours rapidement, s'il te plaît, parce que je pense qu'on pourrait prendre 2 heures pour que tu nous dises tout ce que tu fais. OK. Donc, moi, j'ai commencé à l'école de cirque ici, à faire du cirque, justement. Ça fait environ 12 ans. J'avais 15 ans quand j'ai commencé. Puis à partir de là, justement, je me demandais qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais pas faire. Puis le cirque a toujours été comme... Oh! Et puis, j'ai commencé à faire du cirque. J'ai fait 2 ans à l'École de cirque de Québec, 3 ans à l'École nationale de cirque de Montréal. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière professionnelle où est-ce que j'allais faire des festivals. J'ai gagné des prix. Et après ça, j'ai eu des engagements en Europe, Émirats arabes, Afrique, puis au Québec aussi. Mais majoritairement, en fait, je travaille plus souvent en Allemagne. Puis... En gros, je gagne ma vie à faire du vélo acrobatique, à faire je fais de la comédie aussi sur scène, donc vélo acrobatique, jonglerie et comédie de manière générale. Puis à temps partiel, je reviens par ici. Justement, André, il a beaucoup donné, André Garon, où l'école a beaucoup donné pour que les jeunes puissent être bons. Fait que pour moi, c'est important, je donne l'appartenance clairement à l'école, pouvoir redonner aux jeunes, pouvoir être présent. Puis c'est le fun parce que l'école nous aide à ce que ce soit possible. Parce qu'on a envie de revenir aussi. Fait que c'est un plaisir de revenir. Maxime, ce matin, on est en compagnie d'une troupe allemande de vélo acrobatique. Est-ce que tu peux m'expliquer, là, parce que je suis pas trop sûre, est-ce que tu peux m'expliquer de quoi il s'agit exactement? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça fait environ 5 ans, il y a une alliance qui s'est faite entre l'Allemagne et le Canada. En gros, l'Allemagne veut qu'il y ait plus de gens qui font de vélo artistique. Donc, c'est pour ça qu'ils supportent les gens qui en font à l'extérieur. Donc, moi et quelques-uns de nos amis, on est justement les pionniers en vélo acrobatique au Québec. Il y a déjà des gens qui en ont fait dans le futur, dans le passé. Mais bref, là, on est la nouvelle génération qui en fait. Donc, leur mandat est justement d'aider les gens à faire plus de vélo acrobatique. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'une fois par année, une fois ou 2 ans, il y a justement une troupe de 10 Allemands qui viennent au Québec. Là, il y en a seulement 5 ici parce que c'est 10 Allemands, 5 qui font du vélo cycle-balle, qui est du soccer à vélo. On les voit pas, ils sont pas ici. Et 5 qui font du vélo acrobatique. Nous, on fait les deux écoles supérieures de cirque. Donc, on va faire l'école de cirque de Québec, où est-ce qu'on va enseigner. On va faire l'école nationale de cirque de Montréal, où est-ce qu'on va enseigner aussi là-bas. Puis après ça, on vient aussi à Disraeli, parce que c'est ma maison. Fait que je veux que les gens, je veux que les Allemands viennent ici. Puis, eux, ils viennent justement faire des démonstrations, ils viennent enseigner. Et c'est pas n'importe qui, justement. On a des artistes, des athlètes de très haut niveau. On a Nick Lang, qui est champion européen junior. Il y a... En vélo acrobatique. En vélo acrobatique, clairement. On a Catherine aussi, qui est la coach nationale de vélo acrobatique, mais elle est aussi en charge de l'équipe olympique de gymnastique rythmique. C'est deux choses différentes, mais bref, elle est très sportive, très intégré justement dans le milieu sportif. Puis même chose, on a dit champion européen, mais toutes les autres, ils ont des titres aussi de champion, champion de Bavière, champion de Baden-Württemberg, qui est une autre région en Allemagne. Là, ce matin, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Ce matin, c'est une courte présentation, donc ça va être divisé en deux parties. Voilà, la partie... nous, au Québec, qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, je vais faire un petit peu de vélo. Il va y avoir des gens aussi qui commencent à faire du vélo au Québec. Fait qu'eux vont faire une présentation. Il va peut-être aussi avoir le petit Dylan qui fait du vélo ici, qui va faire un petit mouvement avec nous. Puis après ça, ça va être les champions de vélo acrobatique qui vont faire une démonstration d'environ 10 minutes. Ça va être des mouvements. En fait, ça va être une routine de compétition parce que le vélo acrobatique, c'est un sport. Il y a des championnats du monde aussi. Moi, j'ai participé à 3 championnats du monde. Et puis, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné... En gros, c'était pour moi, c'était un prétexte pour m'entraîner, un prétexte pour m'améliorer. Et concrètement, j'ai terminé 17e au monde. Fait que c'est un très bon point. Parce que faut comprendre qu'en Allemagne, en Europe, c'est une culture. Il y a des gens qui... Il y a des clubs. Il y a aussi un cursus où est-ce que les gens commencent à faire du vélo à 6 ans. Puis à 20 ans, sont... En fait, les jeunes ici, lui, il a 16 ans. Donc, pour être capable de faire un Niki sur le vélo acrobatique à 16 ans, il faut que tu aies commencé vraiment jeune. Fait que moi, j'ai commencé, j'avais 21 ans. Fait que 20 ans, enfin. Fait que j'ai terminé 17e, ce qui est quand même très respectable. Puis, en gros, pour moi, c'était plus d'avoir l'occasion de m'entraîner, d'avoir l'occasion de créer des contacts où est-ce que,
où est-ce que je rencontre Catherine, où est-ce que je rencontre Nick, où est-ce que je rencontre des gens que, après ça, je peux inviter ici ou qu'eux veulent venir former justement des alliances qui permettent de moi m'améliorer, mais aussi de redonner à tout le monde pour que tout le monde puisse en profiter, enfin. Merci, Maxime. Ça fait plaisir. Bonne journée. Catherine, you are in charge of the bicycle, I don't know how you call it, team in Germany. So tell me about your background and your experience in that field. Okay, in Germany it's called artistic bike, and in Germany we do it as competition sport. I'm a coach since 20 years. My sportsmen were all very well, so I teach since many years, and that's my experience. And now I'm here with the national part of the national team to support our sport in Canada. And especially here in Disraeli, it's very nice. The schools support this kind of sport on a very nice way. So we have good possibilities. It's a big gym. We have a few bikes here and a coach who is interested to teach it. So that's the reason why we come back and support and help as much as we can to make this sport in Canada bigger. Alors, Lisa Roy-Lafrance, coordonnatrice du programme de cirque de l'École polyvalente de Disraeli. Est-ce que ça arrive souvent, Lisa, que vous recevez des invités comme ça d'un petit peu partout à travers le monde? En fait, eux spécialement, ça arrive environ aux 2 ans qu'ils se déplacent de l'Allemagne pour venir nous voir. Sinon, c'est des formateurs de l'École nationale qui viennent d'un peu partout, qui viennent principalement aussi du Québec parce qu'il faut comprendre qu'il y a aussi la langue qui entre en ligne de compte. Le but pour eux, c'est de venir ici, d'enseigner aussi aux jeunes. Donc, la langue, comme là ici, Maxime, un ancien élève qui fait l'interprète un peu entre les acrobates puis nos jeunes. Mais oui, c'est ça. Ça arrive fréquemment qu'on fait venir des formateurs d'aussi loin et d'aussi grande qualité. Là, vraiment, c'est une chance qui arrête à Disraeli. C'est vraiment une chance pour nous. Et l'impact sur les apprentissages des élèves, comment ça se qualifie, comment ça se quantifie? En fait, c'est que au-delà de nous, notre formation en éducation physique, eux autres, ils peuvent leur montrer des choses beaucoup plus spécifiques. Ça permet aussi, en plus des techniques à apprendre, montrer la persévérance, parce que ce qu'ils font, c'est vraiment difficile. Souvent, nos jeunes, du moment où il y a une petite difficulté, ils ont tendance à arrêter, mais là, avec des mentors comme ceux-là, qui leur montrent la persévérance, qui leur montrent comment s'améliorer, comment bâtir sur les erreurs, c'est vraiment magnifique.
compagnie de Jonathan Brochu, le directeur de l'École polyvalente de Disraeli. Jonathan, depuis combien d'années est-ce que le programme de cirque existe à la polyvalente? Le programme des arts du cirque à Palvin de Disraeli, on est rendu à tout près d'une quinzaine d'années d'existence. C'est un beau programme qui comporte trois volets. Donc, on a la musique du cirque, les arts plastiques du cirque, dans lesquels on fabrique les décors, les maquillages et tout ce qui comporte dans le spectacle de cirque. Et on a également les acrobates, naturellement. C'est un beau programme qui a été implanté et je ne cacherai pas que depuis 15 ans, notre taux de réussite scolaire a augmenté de beaucoup. Notre taux de réussite était autour de 60 % là, il y a une quinzaine d'années. Et maintenant, là, notre taux de diplomation est rendu à tout près de 75 %. Donc, on a bien hâte de voir les prochains chiffres, mais c'est en augmentation année après année. Les élèves, j'imagine, éprouvent une certaine fierté à s'afficher comme faisant partie du programme de cirque de la polyvalente de Disraeli. Oui, notre programme est en croissance. Année après année, les élèves sont de plus en plus forts, de plus en plus habiles. Et donc, le taux d'inscription s'en fait ressentir. Les élèves sont très fiers. Et ce matin, j'ai tenu à présenter le spectacle à toute l'école parce que c'est une belle source de motivation pour les élèves, des beaux exemples de persévérance, donc des athlètes de haut niveau. Ça donne des ailes à nos élèves. On avait même un de nos élèves là, qui a fait partie du petit spectacle. Donc, c'est le fun de les voir aller.